Pépé à Gobet, le chien et le bœuf. Cruel destin, pourquoi m'as-tu fait naître si malheureux? S'écriait Laridon. L'histoire dit que de coups de bâton, le drôle avait été régalé par son maître. Pourquoi ne suis-je pas de ces fiers animaux qui, des humains évitant la présence, vivent dans les forêts, sans soucis, sans travaux, dans une heureuse indépendance. Pour eux sont tous les biens, pour moi sont tous les maux, et quand je réfléchis à l'intervalle immense qui me sépare d'eux, je suis sans contredit des êtres le plus misérables. Mon ami, qu'as-tu dit, interrompt un vieux bœuf couché dans une étable? À ton sort un moment compare mon malheur. J'ai travaillé 20 ans, et mon maître superbe s'est enrichi de mon labeur. Maintenant je suis vieux, et de quelques brins d'herbe il me nourrit. Bientôt, me faisant arracher de cet endroit, l'ingrat pour toute récompense livrera ma vieillesse au couteau du boucher. De nos conditions, tu vois la différence. Avant que je succombe à mon destin affreux, reçois de moi cet avis charitable. Sur le bonheur des grands, ne jette point les yeux. En contemplant leur sort, tu te crois misérable, mais contemple le mien, tu te croiras heureux.